Alors, j'ai posé la question pour la ville de Courbevoie, mais est-ce qu'il y avait des enfants de l'école de Colombes? C'est bien ce que je me disais, je vous ai reconnu. On peut les applaudir aussi, bravo. Bravo aux élèves, bravo aux enseignants. Moi, j'aurais adoré personnellement avoir des enseignants comme vous. Donc bravo, on peut vraiment les féliciter. J'accueille tout de suite sur scène nos intervenantes. Venez, rejoignez-moi, ne soyez pas timides. Je ne vais pas faire ça toute seule. On a donc la chance de poursuivre cette projection par un débat où on se posera donc, je vous le rappelle, la question de comment réinventer l'école du XXIe siècle pour tenter encore une fois de répondre à ce vaste sujet. Martin Meyssonnier est avec nous, donc on ne vous le présente plus. Co-réalisateur de la série documentaire Le bonheur à l'école, dont vous venez de voir le premier épisode. François Taddeï, qui est chercheur et président du CRI. Guillaume Prévost, qui est délégué général du think tank Vers le haut. Et enfin, Nathalie Lederman, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle est adjointe au maire déléguée à l'éducation, à la jeunesse et aux relations avec l'enseignement secondaire et supérieur. Alors, avant de vous laisser très, très, très vite, je vous le promets la parole, je voulais juste peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on se pose cette question. Je pense que le système éducatif n'a jamais cherché autant à se réinventer. La mission même de l'école s'est longtemps limitée à la transmission verticale de savoir académique, où on a tous cette image de l'enseignante ou de l'enseignant qui transmet son savoir à une rangée d'élèves plus ou moins attentifs. Ça, c'était avant. Ou du moins, c'est plus que ça. Aujourd'hui, on l'a vu dans le documentaire, on assiste à l'émergence d'une nouvelle définition de l'école avec des nouvelles méthodes pédagogiques. On commence de plus en plus à parler d'hybridation de l'école, d'expérimentation. On valorise le travail d'équipe, on l'a encore vu dans le film. Et l'école devient aussi parfois un lieu d'expérimentation ouvert, à la manière des tiers-lieux presque. Alors évidemment, ce ne sont malheureusement encore que quelques cas particuliers par ici ou là. Et je crois que l'éducation nationale ne peut pas encore se targuer de cette transformation globale de l'école. Et puis aussi aujourd'hui, plus que jamais, il y a des grands enjeux à adresser, des grands enjeux dont l'école doit s'emparer pour préparer les élèves, pour préparer nos enfants à devenir des citoyens, des éco-citoyens. Et à devenir en société. Donc, bref, l'école du XXIe siècle a profondément besoin de se réinventer. Pour imaginer ensemble ce soir l'école du XXIe siècle, commençons par le commencement. Quand on a échangé ensemble, Guillaume, il y a quelques jours, vous avez souligné que quand on parle d'école, d'éducation, de système éducatif, c'est un peu la confusion. Et pour vous citer, vous m'avez dit, quand on parle d'éducation, on parle de beaucoup de choses avec des objectifs différents, voire très différents. Est-ce que vous pouvez nous en faire la synthèse pour développer un petit peu? Hop, vous l'avez. C'est tout à fait là. Vous m'entendez? Donc, avec plaisir, en effet. Je crois que le reportage qu'on vient de voir montre assez clairement une image de l'école. Or, l'école, elle a de nombreuses images différentes et on pourrait largement montrer d'autres images de l'école qui correspondent à d'autres réalités, d'autres objectifs, d'autres acteurs, d'autres méthodes aussi. Puisqu'on peut parler de l'école des premiers âges, très développée dans les pays, par exemple, anglo-saxons ou dans le monde germanique, le jardin d'enfants, la crèche. Je crois que ces dernières années, c'est notamment les psychologues, la théorie de l'attachement qui a montré toute l'importance de ces premières années en termes d'apprentissage de la sociabilisation, en termes de socle affectif, relation avec les parents, capacité à se mouvoir dans un groupe. Donc là, on a un premier, je crois, socle très important, voilà, auquel les dernières années et les réformes assez récentes, d'ailleurs, de la maternelle ont montré toute l'importance pour engager le cycle d'apprentissage dans des bonnes conditions dès le plus jeune âge. Ensuite, je crois qu'on peut dire qu'il y a cette école classique qu'on a beaucoup vue dans ce reportage et qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire français, de Pagnol, de l'instituteur, de l'école, de la cour de récréation, où on est probablement surtout dans la tradition française. On attache beaucoup d'importance à cet âge, à cette éducation-là, qui est l'éducation du citoyen, l'éducation de l'homme éclairé, voulu par la tradition de notre système éducatif. Et puis, au-delà de l'individu, il y a aussi un objectif de construire une société des valeurs communes,
l'apprentissage d'une culture commune. On va parvenir sur les grands débats sur le roman national, l'apprentissage de l'histoire, la culture. Et puis, à partir de 14, 15 ans, je crois que l'attention des familles se déplace. Et elle se déplace avec la croissance de l'enfant qui se projette dans un projet d'adulte et où l'enjeu de l'école, dès la fin du collège, ça devient beaucoup plus l'insertion, le projet professionnel, la façon dont on va se projeter sur un métier, dont on va envisager des parcours, des stages, construire des cursus. Et là, on voit bien que tout d'un coup, l'attention, elle se déplace, les acteurs se déplacent, se diversifient, les parcours se ramifient. Et puis, quatrième enjeu, l'enseignement supérieur, toute la myriade, je crois que pour les familles françaises aujourd'hui, pour toutes les familles, c'est un vrai casse-tête de comprendre. Jusqu'ici, on avait un socle qui était à peu près commun, et puis tout d'un coup, il va y avoir l'université, les BTS, l'apprentissage, les écoles, avec une lisibilité qui est extrêmement hétérogène en fonction des familles. Parcoursup, évidemment, je ne voulais pas être trop polémique, mais on peut aller sur les grandes étapes. Et puis aujourd'hui, il y a une cinquième étape de l'éducation qu'on oublie trop souvent, puisqu'on parle d'enfants, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, je crois que c'est dans le reportage, ça a été souligné à plusieurs reprises, tout au long de la vie, parce que l'économie change, les métiers changent, et que de plus en plus, on dit que l'éducation, ça ne s'arrête jamais, et que c'est pas parce qu'à 25 ans, on va rentrer dans un métier qu'on a toute sa carrière professionnelle écrite. Donc là, il y a un nouveau chapitre de l'éducation. Donc on voit bien, vous voyez que si on confond l'éducation tout au long de la vie avec l'éducation au plus jeune âge, si on utilise les mêmes acteurs pour l'école du socle, l'instituteur de Marcel Pagnol, et pour le lycée où on va chercher à diversifier les parcours, et quelque part, à un moment, on ne rencontre pas vraiment les besoins des familles, des enfants et des enseignants. Alors on va s'intéresser à différents étages de la maison école. Est-ce qu'il n'y a pas avant tout un changement culturel profond à opérer sur l'inconscient collectif qu'on se fait de l'école ? Je pense notamment au système de notation, je pense notamment aux voies royales qu'on a encore aujourd'hui, au fait qu'on a des matières d'excellence, on pense avoir des matières d'excellence pour ne pas citer les matières scientifiques. Bref, est-ce qu'il n'y a pas un changement culturel au départ ? Je vous pose la question, François. Merci. Je pense que l'école est en train de changer en profondeur, parce que la société est en train de changer en profondeur. Les aspirations de la jeunesse sont en train de changer. Ce qu'ils peuvent faire à la maison est sans précédent par rapport à ce que notre génération pouvait faire. Le digital change profondément les choses. Et l'ensemble de ces dynamiques entraîne une différence de génération où on voit bien que nos enfants sont en train de vivre une époque qui ne ressemble pas à nôtre. Et jusqu'à maintenant, assez traditionnellement, ce qu'une génération avait fait suffisait à être retransmis à la génération d'après pour s'adapter. Il fallait toujours s'ajuster un petit peu. Mais en ce moment, il y a des transformations profondes. L'arrivée du Covid, tout d'un coup, l'école a plus ressemblé à rien de ce qui a précédé. Devoir apprendre en ligne, les enseignants n'étaient pas préparés, les familles n'étaient pas préparées, les enfants étaient quelque part au moins aussi prêts que les adultes. Mais il y a quand même des ajustements qui sont profonds. Et ce besoin de se réinventer, en plus la crise Covid n'est qu'un prélude d'une crise climatique qui s'annonce encore plus violente. Donc il y a des angoisses dans la jeunesse. Et on voit différentes manières. Est-ce que les jeunes sont en compétition sur les savoirs d'hier, ce qui est assez fondamentalement le système classique de l'éducation, ou comme dans le film, ils sont invités à coopérer pour relever un défi. Alors le défi, ça peut être élever des tortues, ça peut être essayer de devenir un éco-citoyen, ça peut être faire un poulailler ou un potager, ou etc. Et on voit bien que quand les enfants sont mis en position d'acteurs, et pas simplement en position passive, en compétition les uns avec les autres pour savoir lequel va avoir quelle note, on voit bien que les petits qui sont en train de faire différents projets, ils ne sont pas en compétition, ils sont en train de coopérer pour savoir est-ce qu'on va organiser une pyjama party ou pas. Donc y a cette capacité à coopérer pour relever des défis ouverts, parce qu'on est face dans nos boulots, dans notre société, dans nos familles, à des situations complètement inédites. Il va falloir apprendre à coopérer. Et on voit très bien dans le film cette coopération, cette curiosité, ce besoin de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul. Et fondamentalement, cette idée d'apprendre à apprendre, qui est centrale dans ce documentaire, elle est centrale dans la société, parce que dans un monde qui change toujours plus vite, vous allez devoir apprendre plein de nouvelles choses.
et il va falloir faire face à l'ensemble de ces transformations. Et donc une école qui vous apprend à coopérer, qui vous apprend à apprendre, qui vous apprend à relever des défis, c'est une école qui vous prépare au XXIe siècle. Autre sujet, est-ce qu'il ne faut pas repenser l'école de manière structurelle ? Je pense qu'il faut se demander effectivement quel est son rôle. Est-ce que son rôle, c'est la compétition scolaire, la hiérarchie, parce que tu ne l'as pas évoqué, mais c'était sous-jacent à une partie de ce qui se passe à partir du moment où on grandit un petit peu et où on pense à insertion professionnelle, c'était tes mots. Je pense qu'il faut s'interroger. Est-ce que, je veux dire, quand ce système de compétition scolaire a été créé, fin 18e, la Révolution française dit il y a 90% d'analphabètes dans ce pays, ceux qui savent un peu de maths, ils vont pouvoir devenir ingénieurs, ça va être très utile. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des études, ou en tout cas un nombre beaucoup plus important. Il y a en moyenne, on fait 10 ans d'études de plus qu'il y a un siècle. C'est énorme. Donc aujourd'hui, on a besoin de se demander pourquoi est-ce qu'on apprend ? Est-ce qu'on apprend pour faire de la compétition ? Ou est-ce qu'on apprend pour résoudre des défis collectifs ? On est face à des enjeux globaux dont personne ne trouvera la solution seul. Donc il va falloir collectivement apprendre à vivre ensemble et à résoudre ensemble des défis. Donc effectivement, il y a des problèmes structurels et il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut de cette école, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient en compétition les uns avec les autres ou qu'ils soient capables de faire ensemble des choses que nous ne savons pas faire, qui est de résoudre ces grands défis. Et donc il va falloir, pour résoudre de grands défis, on apprend d'abord à résoudre de petits défis. Hein, une école, l'école qui prépare le mieux au XXIe siècle d'après la fondation Lego, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation et qui est très dans la créativité, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour les enfants, ceux qui font les Lego, la fondation Lego a dit que la meilleure école du monde, elle n'est pas à Singapour ou en Finlande ou même dans le quartier latin, elle est en Haïti. D'accord ? Et donc, ce n'est pas l'environnement le plus favorable, a priori, Haïti. Mais c'est une école où on apprend à relever des défis de 6 ans à 18 ans. Et ben, quand on a fait ça pendant 12 ans, et ben, on est tellement bon qu'on sait résoudre des défis à l'échelle globale. Ils peuvent gagner des médailles internationales dans des compétitions scientifiques, alors qu'au départ, ils ne sont pas du tout dans une école favorisée. Donc cette capacité à relever des défis collectifs, ça s'apprend. Et c'est comme ça que structurellement, on peut préparer des enfants dans un monde avec autant d'incertitudes que ce qu'on a aujourd'hui. Quand je pense, on va dire, à l'aspect structurel, il y a aussi l'aspect organisationnel. Allez, au hasard, le dinosaure qui est l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas plus vite et pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Qui veut prendre la parole ? Je vais essayer de défendre un peu le dinosaure. D'accord, vas-y Guillaume. D'abord, je voudrais le défendre parce que tu as souligné justement le projet issu de la Révolution française. D'abord, l'éducation, c'est le temps long. On fait trop souvent, je crois, des images un peu... on va faire comme l'institutrice, là, et on va prendre des images et on va essayer de les faire défiler pour essayer de créer un peu de mouvement. On pourrait en faire la même chose, je crois. C'est très juste qu'aujourd'hui, tout le monde souligne le besoin qu'a notre système éducatif de développer davantage la coopération, d'apprendre davantage aux élèves, aux enfants, aux adultes, d'ailleurs, y compris. Je parlais de formation continue tout à l'heure. On a probablement tous besoin de mieux coopérer. On va tous vers des organisations qui sont plus horizontales, où l'attention à la personne est prégnante, très importante. Ça ne concerne pas que l'école. Est-ce que pour autant, il faut parler de changement structurel ou de révolution ? Le terme n'a pas été employé, mais le risque d'une révolution, c'est toujours qu'on fait un tour sur soi-même et puis en fait, on n'a pas beaucoup bougé. Moi, je parlerai d'adaptation. Je crois qu'il y a des choses très belles dans l'école française. Il y a une tradition très profonde, des expertises assises sur un savoir-faire indéniable. Notre pays s'est adapté successivement à des populations très différentes, à des époques très différentes. Il serait absurde aujourd'hui de comparer l'enseignement du 19e siècle où il y avait 10 000 personnes d'une classe d'âge au baccalauréat avec l'enseignement à partir des années 80 ou du collège unique où on amène progressivement 60, 70%, aujourd'hui 90% d'une classe d'âge au baccalauréat. Donc évidemment qu'il y a une adaptation à faire. Est-ce que pour autant il faut revenir complètement et effacer ce qu'il y a derrière nous ? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut dire l'école doit
complètement changer de modèle. Je crois pas. Je crois qu'il faut repartir du modèle qui est bon. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont limitées, il y a des choses qui doivent être adaptées. Il y a des acteurs qui doivent rentrer. Je pense que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'ailleurs d'une collectivité territoriale, parce que clairement, un des grands enjeux, je crois, des 20-30 dernières années, c'est que, notamment l'école du socle, l'école qu'on voit là, l'école des enfants. Aujourd'hui, un financeur très important, presque aussi important que l'État aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales. Est-ce qu'elles ont aujourd'hui les bons leviers pour mettre en place des projets éducatifs? Ça serait peut-être pas à moi d'y répondre, mais alors, je crois qu'il y a des vrais sujets d'adaptation de ce point de vue-là, davantage que changement structurel. Je crois que le terme est un peu fort et, à mon avis, peu respectueux de cette expertise qui existe quand même dans l'école française. Je vais justement donner la parole dans un instant à Nathalie qui va nous expliquer comment ça se passe au niveau de la ville de Courbevoie qui propose beaucoup d'initiatives. Juste avant, j'aurais voulu entendre François sur le sujet. François, vous avez travaillé avec l'éducation nationale, vous avez rédigé il y a quelques années un rapport pour l'éducation nationale. Si je vous pose la même question, vous, quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que si vous regardez la vitesse à laquelle le monde change, et vous comparez avec la vitesse à laquelle l'école change, il y a une différence. Et ça pose en soi un problème. Typiquement, prenez le monde de la santé. Le monde de la santé, l'espérance de vie progresse parce qu'il y a de la recherche, parce qu'on forme les médecins, parce qu'on investit dans la recherche, dans la formation initiale et la formation continue des médecins. En fait, on investit beaucoup moins. Il n'y a quasiment pas de recherche sur l'école. Et il y a beaucoup moins de formation continue pour les enseignants qu'il n'y en a pour les médecins. Il y a aussi moins de formation initiale pour les enseignants qu'il n'y en a pour les médecins. Et donc, progressivement, si vous ne faites pas de recherche, eh bien, vous avez du mal à vous adapter à un monde qui change. Si on avait investi suffisamment dans le numérique à l'école, on aurait beaucoup mieux vécu la crise Covid par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, si vous n'investissez pas dans la recherche, dans la formation des enseignants, dans leur formation continue, une formation qui part de leurs besoins à eux d'enseignants. 90% des enseignants ne se sentent pas accompagnés par leur structure qui est l'éducation nationale. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut absolument accompagner les enseignants dans leur capacité à relever des défis. Hein, les pays, notre pays, je ne sais pas si c'est su dans la salle, par tout le monde, est un des pays les plus inégalitaires qui soit en termes de réussite scolaire. C'est-à-dire que l'école corrige moins les inégalités dans notre pays qu'elle le fait dans d'autres pays, même si on écrit liberté, égalité, fraternité au fronton de toutes nos écoles. Donc il y a besoin de s'interroger par rapport à ça. Et les pays qui ont su se transformer, c'est des pays qui ont fait confiance. On est passé d'une logique de contrôle qui est très caractéristique de la nôtre, où les enfants sont contrôlés par les profs, qui sont contrôlés par N niveau hiérarchique, où il y a des inspecteurs généraux, etc. Alors que dans d'autres pays, on a passé de cette logique de contrôle à une logique de confiance. Et donc, comme on le voit dans le film, on fait confiance aux enfants, mais on fait confiance aux adultes qui s'occupent des enfants, et on fait confiance aux collectivités territoriales qui font confiance aux adultes qui font confiance aux enfants. Et cette logique de confiance, elle permet l'épanouissement et le bonheur qu'on voit dans ce film. Donc cette capacité à faire confiance me paraît essentielle. On a fait une loi sur l'école de la confiance. Honnêtement, il ne suffit pas de faire une loi pour dire maintenant, garde à vous, la confiance est obligatoire et à partir de maintenant. Ça ne fonctionne pas comme ça, la confiance. On a besoin d'apprendre à coopérer. Martin, tu voulais compléter? Oui, non, enfin moi, ce qui m'a fasciné, parce que là, aujourd'hui, on l'a fait 3 films. On aurait pu en faire 12. Hein, ça a été, en fait, on a visité 19 écoles pour l'instant. Et donc là, vous avez vu le film sur les petits. Mais on a aussi fait celui du collège et aussi on a fait le film sur les lycées. Et donc on a visité toutes ces écoles. On a été dans des pays comme justement, on parle tout le temps des écoles scandinaves qui sont quand même ceux qui ont les meilleurs résultats au concours PISA. Et les meilleurs résultats en sciences, en mathématiques, alors qu'en France, on est quand même les avant-derniers à ce concours en Europe. Donc, on est allé en Estonie, l'Estonie nous a ouvert les portes. On a visité 5 écoles différentes en Estonie. Et là, on voit justement cette confiance qui est donnée.
dont parle François d'ailleurs, enfin qui est François qui quand même a été une des grandes lumières pour moi pour écrire ces films, je dois dire, je le remercie quand même encore une fois. Mais on a pu constater que l'indépendance des écoles en Estonie, le manque de bureaucratie entre le ministère de l'éducation en Estonie et les écoles, le travail des collectivités locales, justement la puissance où l'école en Estonie, c'est presque un centre culturel. C'est-à-dire que même les vieux viennent se ressourcer à l'école locale. Et puis la responsabilisation des élèves, à un point où on a même filmé, donc ça, vous pourrez le voir dans le deuxième film de la série, quand, pour les gens qui ont Canal+, à la rentrée, c'est qu'il y a des écoles qui en viennent à salarier les élèves pour faire du travail, le travail supplémentaire qu'ils font pour aider l'école. Enfin, et donc on est quand même dans un endroit, un moment fascinant, quoi. Donc je crois qu'il y a, moi ce qui me, d'ailleurs la raison pour laquelle on fait une plateforme maintenant, c'est parce que j'ai vu tellement d'exemples extraordinaires et en fait c'est pas compliqué, tous les jours j'en vois qui arrivent de tous les côtés. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde entier au niveau de l'éducation, c'est que ce soit à Colombes, à Courbevoie, eh bien, ou en Inde, ou en Haïti, ou en Uruguay, qui a beaucoup à nous apprendre justement sur le numérique. Il y a des choses partout et on ne les connaît pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre. Et nous, notre idée, c'est de faire une boîte à outils où on puisse piquer des idées et puis que les gens puissent se servir. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'éducation uniforme. Et je pense que, voilà, il y a après, parce que qu'est-ce qui compte, c'est un bon mentorat, que les élèves aient confiance dans les gens qui s'occupent d'eux. Et puis après, ils apprennent à grandir tout seuls, quoi. Donc voilà. Donc allez vous connecter sur lebonheuralecole.org. Ça, c'est, je pense, j'espère que c'est. Voilà, c'est. On vous attend. Nathalie, je vous partage une citation de Michel Fize. L'éducation nationale a toujours accepté que l'on fasse autrement à l'école à la condition que cela reste au stade expérimental et que l'expérimentation ne soit surtout pas généralisée. Concrètement, pour comprendre comment ça se passe, vous, la ville de Courbevoie, vous êtes à l'initiative de plusieurs projets. Comment ça se passe concrètement pour la mise en place de ces projets ? J'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce que vous disiez tous ici. J'ai entendu des termes intéressants de dinosaures en parlant de l'éducation nationale. J'ai entendu à ma gauche quelqu'un qui défendait l'éducation nationale et qui ne parlait pas de dinosaures. Je pense qu'il y a un mélange un peu des deux. Alors effectivement, ma vision, elle n'est pas sur l'éducation elle-même. Elle est plutôt effectivement c'est une vision collectivité territoriale qui a pour rôle et pour mission d'apporter des moyens à l'éducation nationale pour enseigner à nos enfants. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, alors quand je vais dire nous, je vais parler de personnes comme moi qui sommes des élus et je vais mettre dans le même paquet mes collègues élus parce que beaucoup ont des volontés d'apporter des projets et d'apporter des choses aux enfants de la ville. Et puis également les services de la ville, tous les fonctionnaires qui travaillent à la ville et qui aussi peuvent avoir des idées de choses à apporter. Alors ce qu'on peut constater pour répondre à votre question, il peut être assez compliqué par moment d'apporter justement nos idées et en voulant aider en fait les enseignants. Quand on veut apporter nos idées, on se retrouve souvent confronté à une espèce de barrière. Je vais répéter ce que je vous ai dit il y a quelques jours. Ne prenez pas mal, s'il vous plaît, les enseignants qui sont autour de la table. Il n'y a rien de mal dans ce que je dis. Les enseignants peuvent être parfois assez susceptibles et ils ont raison. Nous, on arrive avec nos idées. On a envie de faire des choses, on a envie de faire changer les choses et on se retrouve avec des enseignants qui mettent le haut là en nous disant... mais non, en fait, c'est nous les enseignants, c'est notre métier et on sait ce qu'on fait et vous avez complètement raison. Du coup, ça peut être parfois un peu compliqué pour nous quand on arrive avec nos idées. Alors la façon dont on le fait à Courbevoie, nous travaillons avec, en étroite collaboration avec l'inspectrice de l'éducation nationale. Nous avons la chance à Courbevoie d'avoir une inspectrice qui ne s'occupe que de nous en termes de circonscription. Donc c'est, ça facilite les choses. C'est assez facile, voilà. Comme on est une grande commune, on en a une juste pour nous. Et nous travaillons en collaboration avec elle en lui proposant des idées
Donc ça marche dans les deux sens en fait. On est là pour l'aider elle et pour aider les enseignants, les directeurs avec lesquels elle travaille à mettre à disposition ce dont ils ont besoin. Et puis de la même manière, nous on vient avec nos idées et on essaye de les faire passer. Par moments ça fonctionne et par moments ça fonctionne moins bien. Quand ça fonctionne moins bien, on a la chance d'avoir, j'ai un joker en fait. On a aussi le périscolaire qui peut entrer dans... Qui peut entrer dans la charge également. Oui, dont j'ai la charge également. Alors ça c'est accessoire, hein, ça aurait pu être un autre de mes collègues, on aurait fait de la même manière. Mais l'avantage c'est quand on arrive avec une idée et qu'on n'arrive pas à le faire passer via l'éducation nationale et via le temps école, on le fait passer par le temps périscolaire. On touche un petit peu moins d'enfants parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les temps périscolaires. Mais quand même un bon 80-90% qui peuvent en bénéficier. Voilà, mais sinon, on essaye quand même de travailler en bonne intelligence avec l'éducation nationale pour pousser éventuellement nos propres idées. Je vous vois acquiescer. Pardon ? Ah, des exemples. Alors, je voulais en parler tout à l'heure, mais allez-y, c'est le moment. Des exemples. Alors, des exemples de choses qui fonctionnent, des exemples de choses qui fonctionnent moins bien. Alors, je vais vous donner un exemple de dialogue qui fonctionne bien avec l'inspection. Je précise une chose, c'est que moi, j'ai un an d'expérience en tant qu'élue, donc je n'ai pas tout ce qui se passe derrière. Alors déjà, à Courbevoie, pour ceux d'entre vous qui êtes parents, et puis je vois qu'il y a des enfants aussi, vous savez qu'il y a des bécédistes à Courbevoie, des bibliothécaires, qui sont dans toutes les écoles de la ville. Ça, ce sont des agents de la ville qui sont là et qui apportent un certain soutien aux enseignants, puisque les enseignants peuvent et le font d'ailleurs tous. Il y a des plannings dans toutes les écoles dans lesquelles les enseignants, je crois que c'est sur une demi-journée ou sur deux heures dans une semaine, prendre des enfants en demi-groupe. Donc les enseignants, un demi-groupe va avec les bibliothécaires et un autre demi-groupe fait autre chose. En général, de ce que j'ai vu, l'autre demi-groupe fait souvent à ce moment-là des ateliers informatiques, puisqu'on a aussi des salles informatiques dans les écoles. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui fonctionne bien. Un autre exemple de quelque chose qui fonctionne bien, si je reste sur le numérique, on en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure, nous avons avec l'éducation nationale, donc notre inspectrice et puis des directeurs qui font partie de ces comités, des comités de pilotage sur le numérique. Ce sont des instances pendant lesquelles on échange sur ce qui marche, ce qui ne marche pas sur le numérique. On est assez en retard, il faut bien le dire, sur le numérique. Je parlais de salles informatiques, elles sont assez obsolètes, hein, je vais être très transparente. Les ordinateurs qui sont là sont assez obsolètes. Et typiquement, c'est un bon exemple parce que très récemment, là, il y a une semaine ou deux, lors du dernier comité de pilotage, on s'est posé la question de est-ce que vraiment on doit remplacer les ordinateurs par des ordinateurs ? Est-ce que ce n'est pas justement le moment maintenant, et on est clairement dans le thème, de transformer notre manière d'enseigner aux enfants le numérique et de se dire, ben en fait, cette méthode de dire je prends les enfants par groupe, je les mets dans une salle de classe avec des ordinateurs et qui sont difficiles à maintenir, hein, très clairement. Il faudrait, vu la vitesse à laquelle ça va, ça coûte beaucoup d'argent de tout renouveler, ben est-ce que ce n'est pas le moment de le faire différemment ? La question, ça fait déjà plusieurs mois qu'on se la pose. Et avant ce comité de pilotage d'il y a deux semaines, il y en a eu un autre au mois de juin, pendant lequel les enseignants de maternelle nous ont demandé d'investir dans du matériel numérique pour les enfants en maternelle. Et quand on dit matériel numérique, je ne veux pas faire peur à tous les parents, on n'a pas distribué des tablettes à tous les enfants, parce que ça peut être autre chose que des tablettes, du matériel numérique. Et en l'occurrence, ils nous ont fait une liste, ils ont étudié... et c'est là où on sort du dinosaure, en fait. C'est que, justement, et là, vous avez raison, on n'est plus dans le dinosaure. Ils réfléchissent autrement, ils cherchent d'autres moyens. Ils prennent le temps de chercher ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ils nous ont fait une liste de matériel qu'ils ont trouvé, qui peut être intéressant pour des maternelles. Je vais vous donner un exemple du matériel avec lequel les petits vont pouvoir s'enregistrer, se réécouter derrière. Donc, ils apprennent la diction. Etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent pas trop mal. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on parle des conditions d'apprentissage avec un exemple très concret. Les recherches en neurosciences et en psychologie cognitive ont démontré que les conditions d'apprentissage idéales sont celles qui s'approchent au maximum d'un environnement naturel.
quand on y pense, en fait, ça paraît évident. Est-ce que c'est vraiment souhaitable qu'un enfant reste assis derrière son bureau 6 heures par jour? Qui veut répondre? Avec plaisir, et puis ça va nous permettre de revenir sur la question des temps périscolaires, oui, extrascolaires. À mon avis, c'est tout à fait déterminant. On a beaucoup parlé de coopération. Je crois en effet, hein, faut pas se leurrer, il y a évidemment des choses qui marchent pas bien, il y a évidemment des choses qui doivent s'adapter, il y a évidemment une structure éducation nationale qui est très grosse. Je suis pas là pour dire le dinosaure est une start-up, ce serait pas vrai. Néanmoins, à mon avis, le procès doit être juste et équilibré. Et pour être juste et équilibré, je pense qu'il faut insister sur cette notion de coopération dont on a parlé ensemble. On veut parler de coopération pour les enfants, il y a probablement un enjeu de coopération, y compris pour les éducateurs. En fait, on n'a parlé que de l'école pour l'instant. Mais l'éducation, ce n'est pas qu'à l'école, tout le monde le sait dans cette salle. L'éducation, c'est dans la famille, l'éducation, c'est à l'école, l'éducation, c'est au club de foot, l'éducation, c'est avec le prof de piano, l'éducation, c'est chez les grands-parents en vacances, en colonie de vacances. L'éducation, c'est parfois en bas de la maison quand on va chercher du pain chez le boulanger. L'éducation, c'est plein d'acteurs. Et s'il y a un enjeu, à mon avis, fondamental pour notre système scolaire, c'est la capacité à créer de la coopération. Et probablement qu'aujourd'hui, on a un peu de retard, probablement qu'on n'a pas pris assez clairement le virage des alliances éducatives auxquelles devait nous inviter la décentralisation, et là, le poids de plus en plus important que les villes sont amenées à jouer, et les villes et les intercos d'ailleurs, sont amenées à jouer dans le tissu éducatif. Et là, il y a un enjeu. Et pour revenir à des choses très concrètes, probablement non, vous avez raison, probablement qu'un enfant, il ne doit pas rester 8 heures assis sur une... ça paraît évident à tout le monde. Après, est-ce que pour autant, on souhaite que les enfants ils soient en permanence dehors? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des enfants pour lesquels ça convient, mais peut-être qu'il y a des enfants pour lesquels ça ne convient pas. Moi, j'étais très heureux à l'école, vous voyez. Donc, il faut adapter les choses au plus juste. C'est pour ça que la notion d'expérimentation, la notion d'adaptation, la liberté pédagogique de l'enseignant est probablement un des fondements très importants de notre système. Mais... à mon avis, il faut se garder de tout d'un coup renverser la table d'un coup et dire bah, il faut surtout plus être derrière. C'est important aussi pour un enfant de savoir s'ennuyer. C'est aussi important pour un enfant de savoir s'asseoir et regarder un tableau. C'est aussi important. C'est important d'aller dans la nature. C'est important d'être dans des activités de coopération. Mais c'est parfois très amusant pour les enfants d'être dans des activités de concurrence, par exemple dans le sport, dans le jeu. Par exemple, ce mot de concurrence a très mauvaise presse. Mais mettez deux enfants dans une cour, la concurrence vient tout de suite et d'abord comme un jeu. Ce n'est pas forcément négatif, vous voyez. Donc encore une fois, à mon avis, il faut se garder de toute approche trop radicale ou trop systémique pour privilégier des choses aussi diversifiées, aussi adaptées que possible à l'environnement. Ce que ces enseignants font dans un village de montagne, c'est probablement pas possible de la même façon à Courbevoie. Je ne crois pas. Voilà. J'allais préciser ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est très juste, mais ça dépend aussi de l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se fait en Suisse, on ne peut pas le faire chez nous. Donc, on ne pourrait pas avoir des enfants dehors. Exactement. On peut faire des choses ici qu'on ne peut pas faire ailleurs. Faire à Poitiers, dans la Beauce. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on a échangé au préalable, on a parlé de créativité, on a parlé de sport, on a parlé de jeu. François, notamment, vous croyez beaucoup aussi à l'apprentissage par le jeu. Ce qu'on sait, c'est que petits mammifères apprennent énormément de choses en jouant. Et donc, le jeu est une des meilleures manières d'apprendre depuis une longue histoire évolutive pour nous. Et en fait, les petits humains font partie des animaux qui sont capables d'apprendre non seulement en jouant, mais en expérimentant par la curiosité dont on parle dans le film et par... Il y a eu des expériences de sciences cognitives qui montrent qu'on est tous nés chercheurs. C'est-à-dire qu'on est tous nés capables d'apprendre en expérimentant, en faisant des erreurs, en apprenant de ces erreurs et en progressant. C'est comme ça qu'on a tous appris à parler et à marcher. Vous n'avez pas eu des cours qui vous ont expliqué comment parler ou comment marcher. Vous avez tous appris ça spontanément, quels que soient vos âges. Et donc, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre en étant très proche d'environnements naturels, parce qu'on a évolué pour être des êtres apprenants capables de résoudre des problèmes dans nos environnements depuis la nuit des temps. Et donc, la question de « on est tous nés chercheurs, on n'est pas tous nés capables de grandir dans un environnement qui développe l'ensemble de nos capacités ». Pour vous donner un exemple, les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. Moi, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai lu ça la première fois, parce que je croyais qu'il fallait leur faire au moins 20 ans d'études pour avoir le droit de se poser une question.
qui est quand même une grande partie du système éducatif chez nous. Et bien en fait, non. Et si on sait accompagner la curiosité des enfants, si on sait les aider à passer d'une curiosité enfantine à un questionnement scientifique, on peut les aider à aller extrêmement loin. On a accompagné, par exemple, des classes dans des petites écoles de province, et des enfants ont gagné un prix dans une compétition où il y avait des start-up qui étaient en face. Et donc, pourquoi ? Parce que les enfants, avec leur empathie naturelle, donc on voit très bien dans le film, ont été capables de se mettre à la place d'aveugles. Ils se sont dit, mais quelle technologie on pourra inventer pour aider des enfants aveugles ? Et ils ont fait des chaussures connectées en travaillant et en collaborant avec des chercheurs. Donc, cette capacité qu'ont les enfants à être créatifs, curieux, empathiques, capables de coopérer, leur permet de faire des choses qui peuvent être extraordinaires. Mais ça suppose qu'on sache leur donner des degrés de liberté qu'on ne leur donne pas toujours. À propos de savoir s'ils doivent rester assis tout le temps, pour vous donner un autre exemple de classe qui a fait non pas une recherche sur comment aider les enfants aveugles, mais ils ont fait une recherche sur comment est-ce qu'on apprend. Ils se sont demandé si on apprenait mieux assis ou pas, et ils se sont dit, et si on amenait des coussins dans la classe ? Et si on réorganisait la classe ? Et avec la maîtresse, ils l'ont fait. Et bien cette classe a eu beaucoup plus de progrès que d'habitude, et à la fin de l'année, ils ont conclu que cette année-là, ils avaient appris à chercher et chercher à apprendre, et qu'ils avaient progressé dans leur réflexivité, et la réflexivité, c'est la capacité à réfléchir sur comment est-ce qu'on apprend. Et bien, si vous réfléchissez sur comment est-ce que vous apprenez, et bien, c'est le meilleur apprentissage que vous pouvez faire parce que vous allez pouvoir apprendre encore mieux par la suite. Si vous apprenez quand vous êtes énervé, vous apprenez mal. Si vous apprenez quand vous dormez mal, vous apprenez mal. Et bien, il y a plein de choses que vous pourrez faire mieux. Donc, tous les enfants qui sont là et qui sont peut-être un peu fatigués, je m'excuse d'avance, mais je pense que si vous réfléchissez sur comment est-ce que vous apprenez, vous progresserez. Je voulais vous partager une affirmation. Alors, on a commencé à y répondre en partie, mais je vous la livre quand même. Ce sont surtout des compétences au-delà des connaissances que l'école doit nous apporter. D'accord ou pas d'accord ? D'accord. D'accord ? Non, je voulais juste qu'on s'assure qu'on est tous d'accord. Vous voulez compléter ou pas besoin ? Est-ce qu'il faut opposer forcément connaissances et compétences ? Encore une fois, on apprend toute la vie. Évidemment, on apprend toute la vie. Et des compétences comme des connaissances. Absolument. D'ailleurs, des compétences humaines et relationnelles, au premier lieu. Donc, moi, je crois pas qu'il faille... on va retomber sur le... Il y a un socle de compétences et de connaissances et de culture. Hein, là, c'est comme ça qu'est fondé les programmes d'éducation nationale aujourd'hui. Bah, donc, ça dit bien les choses. Il y a des compétences à acquérir. Il y a des connaissances à acquérir. Si je ne sais pas lire, je vais quand même avoir beaucoup plus de mal à... Pardon, En fait, moi, ce que je voudrais, ce qui me semble important, voilà. Alors, je ne défends pas le mammouth, mais encore une fois, il faut se méfier d'une chose, je crois, et c'est très important aujourd'hui, il y a de toute évidence un besoin d'adaptation de l'école. Mais ce besoin d'adaptation de l'école, il y a énormément de bons. Il y a énormément de bons dans l'école. Et il faut défendre cet énormément de bons parce qu'il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque dans notre époque où on a la bougeotte, on aime le changement, on voudrait que tout change tout d'un coup rapidement. Un système éducatif aujourd'hui, c'est 800 000 enfants. C'est une classe d'âge de 800 000 enfants. Dans ces 800 000 enfants, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais l'éducation, alors on ne va pas revenir sur l'histoire de notre pays qui fait qu'on a un système qui est très centralisé, c'est une force, c'est aussi une faiblesse. On a un système qui est très fondé sur le sentiment de partager un destin commun. L'école a joué un rôle de premier plan dans l'histoire de notre pays depuis la fin du 19e. Cette école, elle doit s'adapter. Il y a un besoin. Vous voyez, par exemple, moi j'ai beaucoup parlé avec des professeurs qui sont très effrayés d'une idée, alors qu'il y a une idée qui doit être... Il faut les rassurer. Moi, je ne crois pas que ça soit vrai. Mais il y a beaucoup de professeurs qui ont peur que le souci des plus privilégiés aujourd'hui d'individualiser le plus possible l'enseignement, qui est très audible, moi je fais partie des gens qui ont envie d'individualiser, laisser plus de liberté, etc., se fasse au détriment des plus fragiles. Et ça, il faut l'entendre. Alors, il y a une inquiétude dans le système éducatif français à l'heure actuelle, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, qu'il y ait un décrochage du systémique entre des enfants à qui on laisserait de plus en plus de liberté et des enfants à qui qu'on accompagnerait moins. François voulait juste compléter. Sur connaissances et compétences, il y a 100 fois plus de connaissances scientifiques tous les 100 ans depuis 300 ans.
D'accord ? Ça veut dire qu'il y a 1 million de fois plus de connaissances à apprendre. Je pense que personne ici ne voudrait que nos enfants passent 1 million de fois plus de temps à apprendre des connaissances. C'est juste pas possible. D'accord ? Donc il va falloir qu'ils acquièrent des compétences parce qu'elles sont essentielles. Et les connaissances, ils ne peuvent pas toutes les acquérir. Donc s'ils ont appris à apprendre, eh bien, ils sauront apprendre les connaissances dont ils auront besoin au moment où ils en auront besoin. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acquérir des connaissances, mais il faut pas faire de l'overdose parce que ça ne marche pas et ça, c'est impossible. Et on est dans un monde dans lequel les machines apprennent beaucoup plus vite que nous. Moi, j'ai fait quelques études scientifiques, je peux vous dire que n'importe quelle machine mémorise et calcule beaucoup mieux que moi, même si j'ai beaucoup mémorisé et beaucoup calculé. Et donc on ne va pas se mettre en compétition les uns avec les autres sur la capacité à mémoriser et à calculer alors que les machines font ça mieux que nous. Il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Et donc par exemple avoir de l'empathie, par exemple être capable de coopérer, par exemple être capable de poser de bonnes questions, ce qu'une machine ne sait pas forcément faire. Et donc plutôt que de systématiquement mémoriser les savoirs d'hier, être capable de questionner le monde d'aujourd'hui pour inventer les solutions de demain. Et ça, c'est des compétences qui me semblent absolument essentielles et qui ne sont pas suffisamment au cœur de notre système éducatif aujourd'hui. Et donc, à partir de là, on peut commencer à questionner. Moi, à titre de parent, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, j'ai commencé à m'intéresser au système éducatif quand mon fils a eu 6 ans, qu'il est arrivé à l'école. Sa maîtresse me dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et ben voilà, moi je questionne un système éducatif où les enfants n'ont pas le droit de poser des questions. Alors, juste pour reboucler. Oui, bien sûr, Nathalie, je vous en prie, complétez. Je vais juste compléter du coup ce que disait François là. Ce qu'on essaie, et du coup, pour répondre à la question tout à l'heure sur les exemples, je vais vous en donner d'autres. Sur ce qu'on essaie de pousser auprès des enfants en essayant de passer par l'éducation nationale et parfois sans y arriver en passant par le périscolaire, c'est tout ce qui est valeur. Je pensais à l'empathie dont vous parliez tout à l'heure, donc certaines valeurs qu'on essaie de leur apprendre. Notamment, on organise là, à partir du mois prochain, tout un cycle autour de l'égalité filles-garçons. Avec les BC10 dont je parlais tout à l'heure, donc la coordinatrice des BC10 a organisé ça. On a une exposition qui va démarrer dans toutes les écoles pour tous les enfants à partir du mois d'octobre et qui initie un cycle donc, autour de cette valeur-là. Je peux vous donner un autre exemple qui est le World Cleanup Day que tout le monde connaît maintenant, la journée sans déchets qui a lieu au mois de septembre. Le World Cleanup Day, depuis l'année dernière, on y fait participer les enfants sur le temps périscolaire. Et du coup, nous avons proposé à l'inspectrice, si elle le souhaitait, de continuer ce travail auprès des enfants sur ce que c'est qu'un déchet, c'est pas bien, il faut les ramasser, il faut pas en faire tomber, etc., etc. En se disant que ça serait intéressant si certains enseignants étaient intéressés pour continuer le travail fait sur le périscolaire, de le faire sur le temps scolaire également. Donc on essaye aussi de faire passer justement ces connaissances et ces valeurs. Voilà, je peux vous donner un troisième exemple et après j'arrête. On avait un projet l'année dernière qu'on va continuer dans toutes les écoles qui s'appelle Stop à la violence, qu'on a initié avec Amnesty International, qu'on a fait sur le temps périscolaire également. Donc on essaie de profiter de ces temps-là parce que ce n'est pas toujours possible sur le temps éducation nationale pour le faire sur ces temps extra et périscolaires. Oui, Martin, je t'en prie. Oui, en face, bon, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont formidables. Et en fait, il faut quand même dire quand même qu'on est dans le département le plus riche de France. Hein. Donc, et ça, c'est quand même bien de le savoir. Parce que, bon, que les choses se passent bien ici, c'est bien. Mais voilà, il faut penser au reste. Parce que, en fait, il y a quand même des problèmes économiques. Et là, je pense au périscolaire. Là, l'autre jour, j'étais dans le Poitou et je parlais avec un maire local et il me disait on n'a pas de bus, on n'a pas d'éducateur. Les enfants, une fois qu'ils sortent de l'école, ils n'ont rien à faire que de regarder la télé. Et donc, je pense que... Alors, là, je parlais de la campagne. Donc tout d'un coup, c'est pour ça que je me dis cet exemple de Bratsch en Suisse est intéressant, parce que pour la campagne, il est intéressant. Je pense que pour les banlieues difficiles, c'est un autre problème. En fait, il faut aussi que l'éducation, elle s'incarne dans les lieux
où les gens vivent et qu'elles s'incarnent quand on est dans la forêt. C'est bien d'apprendre dans la forêt. Il faut travailler aussi, se rapprocher de ce qui va devenir les métiers locaux de demain. Hein, il y a plein de choses. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire que l'éducation doit être comme ci ou comme ça à tel endroit. Je pense qu'il faut que l'école s'adapte. Alors, il y a aussi... Je pense que donc les collectivités locales, c'est absolument essentiel. Et je pense qu'aussi, il faudrait quand même, au niveau de l'éducation nationale, qu'on arrive à réduire la bureaucratie. Parce que moi, j'ai vu des chiffres que je connais, je veux pas, parce qu'ils ne sont pas récents, donc je ne les citerai pas, mais les chiffres de la bureaucratie de l'éducation nationale française sont absolument indécents par rapport à nos voisins. Donc ils sont par rapport aux voisins allemands et belges, et notamment les Belges, où par exemple les écoles sont beaucoup plus indépendantes et beaucoup plus financées par les mairies. Alors et en Estonie encore plus. Donc je pense qu'il y a des réflexions à faire aussi, et donc je pense que le problème, c'est pas de critiquer les professeurs, parce que les professeurs font toujours ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et le problème, c'est qu'il y a peut-être moyen de partager aussi, parce que dans l'éducation nationale en France, les gens qui sont dans les bureaux et qui ne sont pas au contact des enfants sont payés 30% de plus que ceux qui sont au contact des enfants. Je ne l'invente pas. Hein. Une autre statistique qui, moi, m'a fait mal quand je l'ai apprise, on a parlé de zone d'éducation prioritaire tout à l'heure, et on a l'impression que parce que c'est prioritaire, on met plus de moyens. Alors, c'est vrai en nombre d'heures qui sont de profs qui sont face aux élèves. C'est absolument pas vrai quand on compte le fait qu'on envoie des jeunes profs moins qualifiés, moins payés que dans les établissements de centre-ville. Et donc, fondamentalement, en fait, notre pays investit moins sur les enfants les plus défavorisés qu'il n'investit sur les enfants les plus favorisés. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est un des pays les plus inégalitaires au monde en termes éducatifs. Donc on a absolument besoin d'être honnête par rapport à ça. Et donc il y a plein de pays qui ont, au lieu d'envoyer les jeunes profs dans les zones les plus difficiles, on envoie des gens plus aguerris en leur donnant les moyens, en donnant des primes, en donnant des incitations pour que ça se passe différemment. Et en stabilisant des équipes qui, au lieu de tourner trop vite, sont invitées à passer suffisamment de temps pour créer une vraie relation avec les familles, avec le quartier, avec les jeunes, etc. Donc ce besoin d'investir est typiquement les proviseurs, ils commencent dans les lycées les plus difficiles, ils finissent dans les lycées de centre-ville. Et ben, y a les pays où on fait l'inverse, et ben, c'est les pays où on fait réussir tous les enfants. C'est quand même pas si compliqué que ça. Il faut juste donner les moyens là où il y a le plus de besoins, et il faut former les acteurs, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais on voit bien par exemple dans le film avec les médiateurs, ben, la violence, c'est pas une fatalité. On peut inverser les choses super jeunes, et on peut y compris responsabiliser les jeunes par rapport à ça. Donc la violence, elle se combat effectivement par l'éducation. Il ne faut pas dire on ne peut pas éduquer parce qu'il y a trop de violence. On voit très bien dans le film qu'on peut inverser ces tendances, on peut le faire dès le plus jeune âge, mais le système de médiateur, ça fonctionne à tous les âges aussi. Il y a aussi un autre aspect, c'est moi qui m'a frappé, par exemple en Finlande, où on n'a pas pu tourner, hélas, à cause de la pandémie, mais c'est prévu quand même. Ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est qu'il n'y a pas d'école privée. Il n'y a que des écoles publiques. Et donc, et ça, c'est quand même une grande, grande, grande différence, parce que chez nous, on voit bien que finalement, les gens qui ont de l'argent, ils vont mettre leurs enfants dans le privé, parce que justement, ils ne veulent pas qu'ils aient le niveau des enfants de l'école publique. Enfin, et ça, on voit ça auprès des gens de gauche comme des gens de droite. Hein. Donc, il y a quand même un vrai problème. Voilà, je pense que c'est intéressant cet exemple de la Finlande, parce qu'on en parle souvent, mais bon, voilà, ils le font, quoi. Alors, j'entends plusieurs réactions en salle. Je vous propose peut-être, vu l'heure, qu'on puisse prendre quelques questions en salle. Vous avez pour cela des personnes du festival avec des micros. Donc, si vous souhaitez adresser une question à nos intervenantes, à nos intervenants, n'hésitez pas à lever la main. On vous passera un micro pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, non. C'était une blague.
Il a le droit. Ah, yeah. Juste ici, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Vous aviez parlé tout à l'heure d'école en Haïti qui était la meilleure école. Et j'aimerais savoir ce qu'elle fait de différent par rapport aux écoles françaises ou aux autres écoles, s'il vous plaît. Donc ça s'appelle le Collège Quatre-Pressoirs en Haïti. C'est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Guy Etienne, qui est devenu un ami parce que j'ai eu l'honneur de le rencontrer. En fait, c'est une école où de 6 ans à 18 ans, les enfants sont invités, un peu comme on le voit dans la partie suisse du film, à relever un défi qui les concerne à leur niveau. Donc à 6 ans, pour vous donner un exemple typique, c'est un défi du type... c'est quand même plus agréable d'avoir du vert. En plus, on a appris ce que c'était que la déforestation. Et donc, on a envie de contribuer à planter des graines pour contribuer à replanter un certain nombre d'espèces pertinentes. Donc ça, c'est la première étape que vous pouvez avoir à 6 ans. À 12 ans, ils commencent à avoir des téléphones portables et ils trouvent que les SMS, c'est un peu cher. Eh bien, certains d'entre eux sont allés jusqu'à créer un serveur de SMS pour échanger entre eux. À 18 ans, ils se rendent compte que les tremblements de terre, décidément, en Haïti, c'est un vrai problème. Et ils vont installer un réseau de capteurs de sismiques qui vont permettre de faire un réseau entre plusieurs lycées, d'ailleurs, pour identifier l'origine des ondes sismiques et essayer d'avoir des systèmes de détection et d'alarme beaucoup plus rapides que ce qu'ils utilisaient jusque-là. Donc, systématiquement, les cours de sciences en particulier sont mis au service des défis que les enfants souhaitent relever. Et ils apprennent qu'ils font aussi des cours d'art, de tout un tas de choses, mais ils sont invités à développer des capacités collectives. Et ça marche en Haïti, mais je pourrais vous donner l'exemple de Taïwan, où 20% du temps scolaire, les jeunes peuvent décider d'un défi personnel et collectif et sociétal auquel ils ont envie de contribuer. Par exemple, les enfants à Taïwan s'inquiètent de la pollution parce que malheureusement, elle est très présente dans beaucoup de grandes villes, dont Taipei. Et ils ont décidé de créer un réseau de capteurs de pollution. Ils travaillent avec le Météo France équivalent là-bas, avec l'équivalent du centre de calcul taïwanais. Et ils arrivent à modéliser les flux de pollution pour savoir si la pollution qu'ils subissent, est-ce qu'elle vient des voitures locales, est-ce qu'elle vient des usines locales, est-ce qu'elle vient des usines de Chine populaire de l'autre côté du détroit de Taïwan. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à être des acteurs où la science se met au service de la société. Et donc c'est une société qui a beaucoup moins peur des progrès scientifiques parce qu'ils voient très bien les avantages qu'ils peuvent tirer directement de ça. Et c'est aussi l'île dans laquelle il y a eu quasiment le moins de cas de Covid. Parce que systématiquement, ils sont en train de regarder ce que la science peut apporter comme solution. Et donc cette capacité à co-créer, en fait, on a parlé de la Révolution française et des Lumières tout à l'heure, ils font en fait ce que Condorcet proposait, c'est-à-dire que l'éducation, la science et la démocratie coévoluent profondément pour former des citoyens éclairés, capables d'être des acteurs du monde de demain. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? C'est le moment. Non, mais je crois que vous avez été très éclairant ce soir. Ah, peut-être là-haut ? On a une question là-haut, c'est ça ? Apparemment, oui. Alors, suspense. Ah non. Très bien. Eh bien, je vous Vous pouvez réveiller l'âme des enfants de 6 ans qui, à l'époque, posaient des questions. Hein, vous avez le droit. Ah si, on a une... Moi, je me dévoue, je vais poser une question. C'est sympa, merci. Je n'ai pas vu le film d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Vous avez peut-être parlé, ou vous allez me répondre, sur la philosophie. Il y a eu une expérience à l'éducation nationale au plus jeune âge, dès la maternelle, au lieu de la faire uniquement en terminale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-y. Je ne sais pas qui veut répondre. Non, pas du tout. Il y a effectivement des expérimentations de philo à l'école, dès l'école maternelle, mais aussi à d'autres âges. Et honnêtement, pour avoir vu un peu ce que ça donne, c'est très impressionnant.
c'est des enfants qui effectivement apprennent à se questionner et apprennent à se poser des questions, y compris des questions éthiques, des questions sur le bien et le mal, sur la vie et la mort, sur l'amour. C'est honnêtement hyper touchant. Quand vous voyez les questions que les enfants sont capables de se poser et les raisonnements qu'ils sont capables de développer progressivement, c'est juste bluffant. Il y a deux livres qui s'appellent « Les petits philosophes » qui sont faits pour les enfants de 5 à 8 ans, qui sont absolument extra époustouflants et qui, moi, j'ai vu, qui donnent des résultats extraordinaires. Pour vous donner juste un exemple, mes enfants ont lu ce genre de livre dans un qui s'appelait Les goûters philo. J'avais été assez impressionné. Ils adoraient ça dans les âges primaires. Et mon fils n'aimait pas tellement la philo en terminale, mais en fait, à un moment donné, il est retombé sur ses livres d'enfants. Et il se trouve qu'il a eu 18 au bac en philo. ça peut fonctionner très bien. Ça peut aider. En conclusion, je voulais juste vous rappeler que, autour de notre table ronde, donc vous pouvez, je vous invite à découvrir les travaux du Think Tank vers le haut, représentés ce soir par Guillaume. On n'a pas parlé des états généraux de l'éducation. On n'a pas parlé des états généraux. On pourrait en parler quand même 5 minutes, non? Oui. Rapide. Merci beaucoup, Guillaume. Et qui ira un peu dans le sens de ce que j'ai essayé de dire ce soir. Vers le haut est convaincu que l'école doit avancer. Mais l'école ne peut pas avancer seule. Nous sommes très convaincus que la transformation de l'école, c'est pas des... Il y a des grandes idées, elles sont très belles, mais elles n'auront d'effet que si elles s'appuient sur des consensus profonds. Aujourd'hui, l'école, l'éducation en France, est mise à mal par des postures, par des affrontements qui font que toutes les tentatives de réformer le système éducatif depuis 30 ans sont restées stériles, voire ont conduit à appauvrir et à mettre en difficulté les plus vulnérables. Donc nous sommes très convaincus que l'évolution de l'école, qui est souhaitable, vous l'avez tous dit, doit se faire sur un consensus très profond et associer un maximum d'acteurs. C'est le sens de la démarche des États généraux de l'éducation qui a été lancée il y a 2 ans, par Vers le haut, avec plus de 80 acteurs éducatifs, associations qui portent justement souvent des démarches d'innovation pédagogique. À l'occasion de... Donc il y avait un site en ligne, une dizaine de rencontres dans toute la France, consolider un programme commun visant à transformer l'éducation nationale, à transformer, à adapter, mais pas seulement l'éducation nationale, à présenter l'éducation comme un projet sociétal qui doit associer l'État, l'éducation nationale, les collectivités territoriales évidemment, les parents, c'est un enjeu considérable, notamment pour les enfants les plus fragiles, que les familles soient davantage impliquées dans l'éducation des enfants. Les acteurs des temps périscolaires, nous pensons que c'est vraiment l'endroit où on coud ensemble toutes les dimensions de cette éducation qu'on a décrite tout à l'heure. Et donc ces travaux, ils sont résumés par un petit livre vert. Très intéressant. Voilà, résumé en 7 défis. Ça va de investir dans le plus jeune âge, diversifier les parcours de réussite, attirer les meilleurs talents devant les enfants. Voilà, 7 grands défis résumés dans un petit livre disponible sur Internet, sur le site de Vers le haut ou sur le site des États généraux de l'éducation. Et notre enjeu maintenant, c'est de porter ce plaidoyer consensuel assis sur des acteurs aussi divers que les scouts ou la Ligue de l'enseignement, des écoles Montessori comme des acteurs plus classiques de l'apprentissage de la lecture dans les zones d'éducation prioritaire les plus difficiles. Et notre objectif maintenant, et je vous encourage à soutenir cette démarche, c'est de porter dans le débat présidentiel qui s'ouvre ces 7 défis, ces 20 propositions susceptibles de réellement en profondeur induire un changement de fond dans le système éducatif français, assis, encore une fois, je le répète, sur des partenariats et sur un consensus. Ça nous semble absolument primordial. Merci beaucoup. Travailler du bas vers le haut, on a constaté que c'est ce qui marche le mieux. Hein. Voilà. Quand c'est imposé du haut vers le bas, ça finit toujours par casser. Donc... Merci. Je finis le tour de table. Nathalie, donc à la ville de Courbevoie, qui continue avec l'ensemble des acteurs locaux toutes ces jolies initiatives. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des idées, je ne sais pas. Je vous invite également à découvrir, si ce n'est pas encore fait, les ouvrages de François Taddeï. Et enfin, n'oubliez pas la plateforme lebonheuralecole.org. Inscrivez-vous, vous pouvez y participer. Et les documentaires sur Canal+, à partir de...
Il y a le premier grand documentaire qui est de 90 minutes qui couvre un petit peu tout le débat, justement, qui sera diffusé le 27 octobre, mais qui sera sur MyCanal après, pendant des années. Et puis, il y a les trois films avec chaque âge séparé qui seront diffusés à partir du mois de janvier. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Un grand merci à tous les quatre. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Bonne nuit, j'ai envie de vous dire, vu l'heure, et prenez soin de vous. Au revoir.